Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte de Frozen Flame, les amis. Un jeu en Early Access, un RPG de survie, de découverte. On va en prendre plein les yeux. Ce qui est très très intéressant avec ce jeu, c'est qu'il joue en coop, en ligne, avec vos amis. Il est disponible sur Steam actuellement, donc en Early Access. Hein. Il n'est pas abouti, fini. Il y a encore pas mal de travail qui est en cours. Sur le jeu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que malgré qu'il soit en Early Access, le jeu a des notes assez incroyables et des avis assez incroyables. On va découvrir ça ensemble, voir un petit peu ce que ça dit. C'est parti. Alors, partie locale, serveur privé, voilà, on peut jouer jusqu'à 24, c'est assez incroyable. Et en serveur public, jusqu'à 50 sur le même serveur, c'est juste fou. Local jusqu'à 6, on va attaquer par ça. On va du coup, hop, créer une nouvelle partie. Alors, on a 3 difficultés. Le danger posé par les ennemis est réduit, la progression de niveau est accélérée, restauration de vie plus facile, taux d'ingénierie de l'équipement est réduit, encombrement est en problème mineur, les bâtiments ne se dégradent pas au fil du temps. Pour ceux qui veulent juste explorer le jeu et découvrir son histoire, ok. Pèlerin niveau moyen, difficulté principale du jeu, vous devez monter de niveau afin de vaincre vos ennemis, aucun objet n'est perdu à la mort, l'encombrement est un problème, les bâtiments ne s'effondrent pas complètement au fil du temps, adapté aux personnes familières avec ce type de jeu et intéressées par les combats. Okay. Et ensuite, le niveau difficile qu'ils ont appelé le niveau maître. Les ennemis sont plus dangereux, la progression en niveau est ralentie, restauration de vie difficile, certains équipements seront perdus lorsque vous mourrez, dégradation rapide de l'équipement, l'encombrement est un problème majeur, sans réparation, tous les bâtiments finiront par s'effondrer. C'est axé aux joueurs expérimentés souhaitant se mettre au défi. Nous, on va découvrir le jeu, donc on va partir en difficulté moyenne pour pouvoir profiter quand même de cette découverte. Petite cinématique, c'est parti. L'asile du sans-visage. Alors, appuyez sur Shift pour sprinter, appuyez sur espace pour sauter. Oh, je suis totalement, totalement décédé. Là. C'est beau, hein. J'aime beaucoup le style de couleur. Ok. Prenez l'épée. Attaque avec clic, maintenez clic droit pour parer les attaques au corps à corps. Esquive en combat avec espace. Ok. Ok. Je l'enchaînais. Let's go les gars, let's go. Ok, ça c'est fait. Sous. Ah, il y en a 3 d'un coup là. Ok, je suis arrivé en poulquin. Alors c'est pas mal. Ok, j'ai les 3 là, ça aide. Est-ce que je touche les... Ok, est-ce que je touche les... Ouais, je touche les 2. Je pars à fond, j'ai pris un coup quand même. Ah ben, un deuxième coup. J'arrivais pas à le finir lui. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est très très beau. Hein. J'aime beaucoup le style de couleur et tout. Ok, on avance. On avance, on n'est pas là pour enfiler des perles. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? C'est une femme, c'est quoi ce truc? C'est une navy. Dirigez-vous droit vers le vortex d'énergie. Oh, let's go. Est-ce que c'est moi, ça? Ah, je vais pouvoir... Ah, ok, d'accord. C'était le petit tuto. On peut choisir du coup le sexe du perso. On va prendre homme, couleur de peau. Alors, on va prendre. Je ne sais pas. Vert, incroyable. Gris. Oh, c'est sympa ça, sympa. Détail du visage. Oula, il est balafré celui-là. Ah, il gueule. Fait de la peine. Ouais, on va prendre ça, ouais. C'est pas mal. Oh, avec des petites taches de rousseur, allez. Couleur des yeux bleu, coupe de cheveux chauve, ça me paraît correct. Couleur de cheveux chauve, type de tatouage. Ah ouais. Comment on voit pas tout là? On peut tourner peut-être? Ah oui, oh. Sympa. Oh, stylé ça. Oh, magnifique. Allez, on prend ça. Couleur du tatouage. Bleu. Ah, violet, ça ressort bien, non? Y'a quoi d'autre? Ah ouais. Ça aussi, ça ressort bien en vrai. Oh, le petit rouge là. Let's go. On part là-dessus. Sanctuaire de la flamme. Ok. J'aime beaucoup le style graphique. C'est vraiment sympa. C'est quoi ça?
Non, c'est juste des stèles. Ok. Ok, ok, on avance. J'ai l'impression que le son est pas très fort. Je vais augmenter un petit peu. Il y a un gars là. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois que vous avez maintenant un peu plus de chair sur les os, petit carabée. Et oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais un peu. Quoi, vous ne vous souvenez de rien? Avez-vous mal à la tête? Pas de quoi en faire un fromage, ça arrive à tout le monde. Suivez juste cette route, on se retrouve de l'autre côté. Bah écoute, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est assez grandiose. Ça a l'air d'être flou par là-bas. On dirait qu'on est sous l'eau vite fait. Non? Qu'il y a de l'eau au-dessus de nous, je sais pas. Oh, c'est quoi? Extrait des notes d'un ressuscité. J'ai récupéré ma chair, une bonne chair bien chaude, solide, pour de vrai. Le sang coule à nouveau dans mes veines, je laisse cette note pour les personnes qui marcheront dans mes pas, avant d'être complètement ivre de joie. Souvenez-vous, seule la magie des dragons sacrés peut vous libérer de la prison créée par le sans-visage. Oh, le flambi qui nous a raconté, lui. Allez, on court. Donc j'ai une petite barre pour courir quand même, hein. Je peux pas courir à l'infini. Est-ce que ce serait des compagnons de route, ça? On dirait les portes du Valhalla. Frozen Flame. Petit chargement. Ok. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien la DA en tout cas. J'ai un peu la voix cassée, je suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez. Alors, hop là, le berceau. Oula, ça lag. Le berceau des gardiens. Ça lag de ouf. Pourquoi ça lag comme ça? Oula là, ça rame de ouf. Hein. C'est assez violent. Ah, ça y est. Ok, c'était juste l'emplacement où j'étais. Parce qu'on ne sait pas que j'ai un PC de ouf, mais. Il y a une stèle là-bas. C'est une sacrée petite grotte, ça. Hein. Petite grotte tout nette. Fais voir, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est stylé. Waouh. Les graphismes, ça me fait penser à. Immortal Phoenix Rising, vite fait. C'est vraiment très beau. On avait fait sur mon autre chaîne. Examinez. Le berceau des gardiens. Des gardiens. Nous, les pèlerins. Oh ben, je vais pas y arriver. Avons été arrachés des bras de la mort par la flamme du gardien. Et nous avons fait le serment de combattre les réprouvés jusqu'à ce que notre corps redevienne poussière et que notre âme s'effrite. Ah ouais. Il y a l'air d'en avoir 5 à trouver. En déjà une. Ah ben, elle s'éteinte. Oh, super. Super! Bon, alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas? Là, je suis à Walp. Hein. Oh, c'est quoi ce truc? Un TP? Ah oui. J'imagine que je peux pas me TP à... Oula! Ok. Activez le téléporteur pour vous déplacer de l'un à l'autre. Lorsque vous mourrez, vous réapparaissez au téléporteur le plus proche. Ça marche. Bon, j'en ai déjà un. Je suis niveau 1, les amis. On n'arrête pas le progrès. Hein. C'est assez insane. C'est beau vite fait, hein. En vrai, franchement, j'aime bien. La musique est cool. C'est quoi, ça? Ah, je peux le prendre. Oh, les objets de base peuvent se faire à la main. Ouvrez votre inventaire, appuyez sur fabriquer. Vous avez accès à tous vos schémas dans l'inventaire. Attends. Ah ouais. Ok, les gars. Donc, quand j'appuie sur A, j'ai les constructions, du coup. Poutre de fortune. Ouais. Outil. C'était où, outil? Ah, c'était là. Faut que je fasse. D'accord. Mais pourquoi j'ai ça dans la main, là? C'est pour savoir. Oh, ben Dieu. Ah, ok, c'est parti. Bon. On avance. On va voir un petit peu ce qui se trame. Il y a l'air d'avoir une petite quête, là-bas, non? Ouais. Attends, il y a un autre caillou, là. Ça, c'est quoi? Du bois. Une branchette. Une petite branchette. Oh, je peux faire un lit de paille. Ok. Quoi d'autre, ici? Pas des baies, des trucs comme ça? Ça, je vais pouvoir le couper, mais bon. C'est pas très navi, tout ça. Hop. Tac. Plein de loot. Je récupère parce que je pense que je vais devoir construire un truc. Tac. Hop. Attends, il y a un autre truc là-bas. Il faut avoir l'œil. Hein. Un gremlin dans la gorge, c'est l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il nous... Oula. Oula, il est perché, lui. Oh, la vache. Il fait 6 mètres de haut, le mec. Je vais prendre ça, hein. Tu m'en veux pas. Je loot un peu parce que je pense que je vais en avoir besoin dans un peu de temps. Après, je te prends ta quête. Hein.
Les loot avant tout, hein, c'est, on en est là, les gars. Ok, alors qu'est-ce que tu me racontes? Ous! Où ça, ça? Putain, chaud, les gars. Parlez, hop. Malheur, désastre, folie, désespoir. Bon, bah, on va y aller, nous. Hein. Oui, appuyez sur M pour ouvrir la carte avec votre journal de quête. Vous pouvez sélectionner une quête active pendant la liste, dans la liste ou aucune si vous préférez. Hmm. Aider tête cornue, fabriquer une hache de pierre, nettoyer le camp de réprouvé. De réprouvé. C'est quoi le. C'est ça le camp de réprouvé, j'imagine? Faut que je fabrique une hache en pierre. Du coup, A. C'est où la hache en pierre? Alors, moi je suis chaud, hein. Mais c'est où? Comment on fait? Pitié des amis, nanani. Felder Melden. Je voulais pas du tout faire ça. Mode construction, menu des émotions. Comment je construis une hache en pierre? Il y a une autre touche peut-être? E? Ok, c'était pas ça. Alors moi, mon sac à dos, il y a toute une vie dedans, les maudits l'ont volé. Donc faut que j'aille me taper à la mano, c'est ça? Non, il faut que je fasse une hache en pierre. Mais comment je la fais? Parce que là j'ai le menu construction, mais je vois pas d'outils en fait. Je vois pas d'outils... ça c'est quoi? Un pignon en pierre. Fondation en bois. Je vois pas d'outils particuliers. Merde, pourquoi je fais ça à chaque fois? Il y a d'autres touches? E, A, I. Alors attends, je vais juste aller voir s'il n'y a pas une autre touche. Parce que je me vois mal. Je me vois mal aller les taper à main nue, quoi. Ouais, j'ai la cible, carte, menu des émotions, inventaire, c'est tab. Faut voir si je fais tab. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pantalon en tissu. Tac, tac, tac. Artisanat. Ah, voilà. Voilà, voilà. Bah vas-y, hein. Fabriquer une hache pour couper des arbres et récupérer des rondins de bois. Est-ce que je peux me taper avec? C'est bon, je l'ai fabriqué? Ouais, je l'équipe du coup. Ok, elle s'est équipée direct. Et ça après c'est quoi? Feu de camp? Dit paille? Ah d'accord, j'ai rien découvert en fait. Rondins de bois. Tac. Ça c'est quoi ça? Pierre de retour. Mmh. C'est équipé ça, hein? Ouais. Ok, donc si je fais 1, ça marche pas? Ah si, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir nettoyer un peu tout ce bignou, là. À la guerre! Attends, ça me tape pas, ça, en fait, j'ai l'impression. Si? Ah ben, si, peut-être. Est-ce que ça me tape? Non, sans plus. Ok. Graine magique. Ok. Est-ce qu'il faut vraiment que je le bute, ce truc? Je suis pas sûr, mais... Écoute, on peut taper dessus, on va pas se gêner. Accomplissez le rituel à temps pour récupérer de la flamme. J'appuie sur eux là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Faut que je laisse appuyer sur eux? Ah d'accord. Recueillir l'énergie des pierres runiques. Il faut que j'en tue 3 du coup. Je pense hein. Ou peut-être pas hein. Ok, ça, c'est pas ça. À mon avis c'est plutôt ça du coup. Une. Ah, elles deviennent agressives apparemment. Hop, tu dégages. Oh, tu te calmes. Hein. Hop, hop là. Ouh, j'en ai esquivé une là, elle a pas vu le jour. Hop là, hop là, let's go. Ah, il m'a touché le bâtard. C'est quoi ça? Prier? Ah, c'est pas le moment. Apparemment j'ai des talents mais... Pourquoi je vais le taper lui alors qu'il me tape pas, je suis con? Au moins il m'attaquera pas. Ok, déjà une. Où sont les autres du coup? C'est quoi ça? Oh, j'ai plus le temps je crois. Oh, salut. Ah, je peux pas me protéger? Ah si. Mais j'ai plus de vie. Hein. Ah, j'ai plus d'énergie aussi. Ah oui, il y a de l'énergie quand tu tapes. Hein. Alors attention. Nouveau niveau, let's go. Je prends tout, hein, je loot tout, moi. Pièce et sac à dos de tête cornue. Ah, c'était pas sa quête, ça? Ah, si, c'était bien sa quête. Alors, par contre, le truc, je l'ai raté. Hein. Le truc où faut trouver les pierres, là. Il y en a une là-bas, du coup. Elle y est toujours. Et les autres sont où? Il y en a une là-bas. Je vois pas la troisième, par contre. Alors, attends, je vais lui rendre sa quête. Ah, je suis full life. Ok, j'ai pris un niveau, je suis full life, ça c'est cool. Parce que j'ai pris beaucoup de dégâts, en fait. Je m'en rends pas compte, mais.
Vous l'avez, j'espère, que les vermines qui me l'ont volé ont connu une longue agonie. Tout à fait. Vous avez du talent, ça ne fait aucun doute. Pour vous récompenser, je vous offre l'opportunité de m'acheter quelque chose. Ou alors, je pourrais vous demander autre chose. Ces réprouvés m'ont volé toutes mes réserves de nourriture et je suis affamé. Vous entendez mon ventre gargouiller ? Là, tout de suite, je ne dirai pas non à un dessert aux fruits que vous allez me préparer. Mais... il s'est cru au resto, lui. N'oubliez pas, la nourriture se cuisine sur un feu de camp pour faire un feu, ramasser des branches sèches et couper du bois. Le dessert aux fruits est fait à partir de fruits ou de baies. Cette pomme devrait suffire, mais n'en faites pas trop non plus. Deux pommes donnent un gâteau aux fruits et je déteste ça. Ok. Du coup... ah, je peux acheter un truc, du coup. Bandana en tissu. Ah, j'ai pas assez. Oh putain, c'est cher. Je vois pas la diff avec les dégâts avec la mienne de hache. Donc il faut que je lui fasse un petit feu de camp. Artisanat. Basique. Ah non, c'était pas là, c'était dans tab. Oula. Ouh, j'ai plein de loot. Hop. Petit feu de camp. Qu'est-ce qu'il lui faut du coup? Il lui faut des rondins de bois. Faut que je coupe du bois du coup. Par exemple toi. Ah oui. C'est très bien ça. Si je laisse cliquer. Ah, ça fonctionne. C'est dingue ça. Deux rondins. Il m'en fallait combien? Trois je crois. On va en faire un autre. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Let's go. Je suis là. Hop. Non, c'est pas ça. Comment on fait pour quitter ce truc? Parce que quand j'appuie sur A, ça ne le quitte pas en fait à chaque fois, tu vois. Ah, il faut clic droit en fait. Tab. Artisanat, petit feu de camp. Oh, j'ai découvert des trucs. Une caisse en bois pour entreposer des objets et un potager. Pousser des plantes magiques nécessaires pour créer des ressources. Ah ouais. Et hop, let's go. Let's go. Alors, c'est mis à jour. Cuisiner un dessert aux fruits au feu de camp. Aucun ingrédient. D'accord. Et elles sont où ces pommes du coup? Il m'a sorti une histoire de pommes en mode... prends-en deux. Tu vas pouvoir faire des trucs. Mais elles sont où? Où est-ce qu'elles sont? Feu de camp. Attends, c'est lui qui me les vend ou... un arbre avec des pommes, toi? Ah, regarde, y en a là. Let's go, les gars. Trois pommes. Ça suffit, je crois. Il lui faut un dessert aux fruits, c'est ça? Par contre, il va me falloir du rondin pour l'allumer. Pas de combustible. Type de cuisine. Ok. Il me faut que je coupe du bois. Il me faut du bois. 70% de durabilité sur ma hache. C'est correct en vrai. Ouais, deux rondins, ça devrait suffire. Trois rondins. Alors, on peut cuisiner avec les pommes acidulées, soignera vos blessures plus rapidement. Faut que j'en mette qu'une, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il m'a bien dit de pas en mettre deux, sinon ça faisait un truc qu'il aimait pas, je sais pas quoi. Ok. Donner le dessert aux fruits à tête cornue. Ah, mon dessert! J'ai bien cru que j'allais rester le ventre vide aujourd'hui pendant que... ah, je vois pas ce qu'il y a écrit, une autre chose quoi. Vous ne voulez pas rendre service à votre nouvel ami? Ce qu'il faut faire. Le sac à dos que les réprouvés m'ont volé était troué. Apparemment, tout le silex que j'avais si soigneusement collecté dans cette zone est tombé par l'ouverture. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous accuser. Je dis seulement que je me retrouve sans silex. C'est l'occasion pour vous de m'aider à... d'apprendre à miner du silex pour quand vous en aurez besoin. Vous ne pouvez pas miner de silex à main nue, il vous faut une pioche qui peut être fabriquée sur un établi et l'établi n'est pas non plus facile à construire. En plus, il ne peut pas être placé à même le sol, il faut d'abord poser des fondations. Alors, fondation, établi, pioche. Dès que vous aurez fabriqué une pioche en pierre, commencez à chercher des gisements de silex. Quelques coups bien placés, le silex sera à vous. Tout vous paraît clair, si vous avez un trou de mémoire, demandez-moi. Allez, il est temps pour moi de dévorer ce dessert. Donc, fondation. Fondation, fondation. Sol de fortune, fondation de fortune. De quoi d'autre?
Alors ça, je veux bien le mettre, mais je vais monter dessus comment en fait? Faut que je mette un seul de fortune. Je peux pas le tourner. Ah si, faire pivoter. Ah ok, c'est comme ça, ok. Où est-ce qu'on met la mèze, les gars? On la met au milieu? On la met vers là, la mèze? Putain, j'adore. J'adore. Génial. Ok. J'ai fait un seul de fortune. Du coup, après, on a dit un établi. Un établi... C'est où, ça? L'établi. Ça a pas l'air d'être là, non? Peut-être dans tab? Paille, potager, établi. Il faut 6 rondins de bois et 2 pierres. Ah ouais, et comment je fais de la pierre? C'est la question. J'en ai de la pierre? J'en ai pas. Comment je fais de la pierre? Ah ben je la récupère comme ça en fait. Tout simplement. On va récupérer 2-3 trucs. Hein. C'est pas de mal. Ah, tu me faut 6 rondins. Il va falloir bientôt que je répare ma hache. Ok, 3 rondins. Prendre un peu de cailloux. Hop. On a un autre là. Hop. Ok, c'est pas dégueu. Hop. Je mets des 8 de dégâts. Je suis monstrueux, les gars. Le late game. Hop. Voilà. Du coup, j'en ai 2, 4, 2. J'en ai combien de terre? 3 ou 2 ou 4? Je sais plus. Je pense que ça suffit pas. Ah, il manque un rond. Pas un arbre. J'aurais pas besoin de courir à Babelwed. Apparemment, non. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça là-bas? Putain, mais ça descend vite la durabilité, hein. En vrai, ça descend vite. Je vais peut-être réparer, non? Réparer. Ah, d'accord, je peux pas réparer ma hache. Attends, je peux pas. Jeter. Déséquiper. Ok. Je peux pas la réparer. Donc, dès qu'elle est dead, il faut que j'en fasse une autre. Tristesse des arrois. J'ai fait vraiment une cabane de pégu. Hop. Alors. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air en tout cas. Voilà. Pioche en pierre, masse en pierre, épée en pierre. Donc là, faut faire pioche en pierre. Hein. Faire pioche en pierre, je crois. Il faut une branche, 3 pierres. Il faut de la fibre. La fibre? Mmh. Comment je trouve de la fibre? De la fibre. Je peux même m'équiper et tout. C'est cool ça. Par contre la fibre, pas le moins aidé. Hein. Alors là, est-ce qu'il va m'aider lui? Pour la fibre. T'es content, t'as du feu. Alors. Vous pouvez placer des murs, nanani, pour construire votre propre maison. Ah, c'est tout ce que t'as à me dire? D'accord, super. Et du coup la fibre, ça se trouve comment? Faut peut-être que je fasse un truc avec les branches ou... Tu sais, genre les dépiauter ou un truc comme ça, c'est peut-être sur l'établi. Quoi ça? Bâton en bois? Ouais non. Pantalon en tissu, avant tissu, gantelet en tissu, arc en bois. Comment je fais de la fibre? Bandage en tissu. Ouais, je peux tout faire sauf ça. Ah, je peux réparer! Énorme. Hop là! Ça c'est cool. Quoi? Comment ça? Rien à réparer. Et ça c'est quoi cette histoire là? Je peux faire quoi d'autre du coup? Faut pas obligatoirement de la fibre de partout. J'aimerais bien savoir comment la récupérer la fibre. Je réfléchis. Moi je pense... Je pense que c'est avec le bois en vrai, non?
jeter. Simple rondin de bois. Un tas de branches utilisées dans l'artisanat. Je sais pas comment on fait. On va essayer de trouver de la fibre. Peut-être que ça se loot. Hein. Peut-être qu'en tapant les arbres, maintenant j'aurai de la fibre qui tombe en fait. Hein. C'est ça que je me dis surtout. Oh, un petit caillou, là, je vais le prendre. Branche, rondin de bois, rondin de bois, rondin de bois. Ça, si je le tape. Des petites pommes. Où est-ce que je peux récupérer de la fibre? Il faut peut-être traverser. Hein. Ah, je sens que c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est ça, les gars. Tac. Hop. Alors, j'en prends un petit peu, je me fais un petit stock. Pendant que j'y suis. Prendre un peu tout ce qui traîne. Ok. Allez, on va back. Est-ce que si je me fais des tartes, ça me booste? Je pense que oui. Oh! Où ils sont? Oh, il m'a raté. Recule pas. Laisse toi faire. Oh, je l'ai mis contre le ring, les gars! Pourquoi ils ont pop? Je les ai pas tués, déjà tués tout à l'heure? Ils ont... Ok. Ça arrive pop alors. Oh, c'est quoi? Bah tiens. Sympa. Ça, on va le prendre. On aura sûrement besoin à un moment donné. Prends encore un peu de fibre. Ok. Alors. Du coup, il faut qu'on fasse une pioche. On établit au milieu comme ça, à la Walligan. Une pioche en pierre pour pouvoir farmer du silex. Tac. Donc le silex, par contre, ça se trouve où? Est-ce qu'on a une info là-dessus? Gisement de silex ne ressemble pas du tout au caillou ordinaire, vous ne pouvez pas vous tromper. Putain, mais lui... Lui, dans les infos... c'est quoi ça là-haut? Il y a un... C'est un coffre? Lol. Oh oh. C'est peut-être ça les silex là. J'aimerais bien changer d'arme. Non mais pourquoi je peux pas changer d'arme? Putain, les raccourcis sont pas bons les gars, je crois. Ah bah oui. Hop. Ouais, c'est ça. Oh, le petit 10 de dégâts qui fait plaisir. Pierre, pierre, silex. Oh, un seul silex pour deux pierres? Oh, l'arnaque. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Fus! Oui, je peux courir dans les cailloux comme ça, mais c'est dingue. Oh. Par contre, il en faut combien? Pas loin, VD. Donner le silex. Ah, il en fallait qu'un? Ah, oh bah ok. Enfin, c'est bon. Là. Ah, oui, bah là, quand il a une quête de fini, tu le vois lui. Hein. Vous avez trouvé du silex. Prenez cette graine magique en échange, elle vous permettra de faire pousser quelque chose dans votre potager. Allez, je vais essayer de réparer mes cornes fissurées. Sinon, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de silex? Encore une chose, on dirait que votre périple va vous conduire à un portail. Eh bien, Tête d'Os veut vous voir. Cette crapule vous attend près de votre destination, mais je ne sais pas ce qu'il vous veut, et ce ne sont pas mes oignons. Ok. Bon, le feu de camp, j'ai mis 3 bûches. Il y a une heure de feu de camp. Ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, faut que j'atteigne le portail.
Et quel portail, celui qui est là-bas? Celui d'où on est venu? Non. Attends, si je fais M. On parle de quel portail? Là? Putain, mais il est super loin le portail. Si je clique, je peux pas mettre... Ah oui, ajouter un marqueur. Hop. Ok, ok. Il est à Babelwood le portail. Alors attends, il y avait un caillou là. Un caillou là-bas. Ah, et l'autre, il est là. Il y en avait un là aussi, je crois, non? Ouais. Allez, let's go. Je sais pas ce que ça va donner, donc on va le faire. Oh, calmez-vous, les gars. On rigole, oh, les gars. Waouh. Calm down. Ok, tout le monde s'est vénère contre moi, je crois. Je me fais tartiner dessus, hein. Et voilà, c'est la win. Ah. Ah, ça veut vraiment se taper. Ils sont en train de me défoncer, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Oh! Oh! Hammerfist, les gars. Ok. Ça m'a passé finalement. J'ai eu quoi du coup? Ça a servi à quoi? J'étais un peu dans le mood. Dans le move. Je vais réparer. Parce que ça va très très vite. Hein. Et je vais la récupérer, non? Ça, on peut pas la récupérer apparemment. Ok. Allez, let's go. On va aller voir un petit peu ce petit portail. C'est beau. Là-bas, c'est quoi? Ça m'intrigue, ce truc là. Et des poissons. Piranha. J'ai une vieille cabane. Ah non, c'est une roue, ok, c'est un petit moulin. Il est pété, quoi. Tout pété. Je vais passer par le pont. Hein. Ça, c'est quoi? Je peux le récupérer? Non. C'est juste des feuilles. Putain, les vies m'ont bien fait mal, hein, quand même. De rien. Ce bruit de fou là. Ouais, j'ai mis un marqueur mais t'en as presque pas besoin quoi. Tu la vois à 10 bornes là. Ouais, je vais pas m'arrêter tout farm là, y'a trop de trucs. Hein. C'est quoi ce truc là-bas? Je sais pas. Ouais, y'a des gens là. Petit village. Je sais pas, si je suis assez fort. Tu sais, c'est monde ouvert, donc tu sais pas ce que tu peux faire ou pas là. Il y a peut-être des endroits c'est chaud. Je sais pas du tout. Peut-être monter tout. Tout. Ah. Attends, c'est lui? Non, ça a pas l'air. S'il me veut, lui. Ah, c'est tête d'os. Un corps avec des bras et des jambes à débarquer. Essaye de ne pas perdre vos membres. Ok. Vous vous rendez au portail au sommet de la colline, je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais il ne fonctionne pas, le bleu. Oh, tu vas te calmer, toi. Ça ne vous dérange pas que je vous appelle le bleu? Si, super. Vous venez de débarquer au berceau des gardiens, pas vrai? Si vous voulez arriver jusqu'à Chronos, vous aurez besoin de 4 masques en os. Je vais déjà vous en donner un. Vous devez remporter les autres masques au combat, vous les trouverez près des faisceaux de lumière. Les faisceaux de lumière? C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il veut dire par les faisceaux de lumière? Comment je fais pour régénérer de la vie? Faut que je fasse un petit feu de camp et... Ah, bah voilà. Voilà, on sait ce que c'est les faisceaux de lumière, les amis. Donc là, je peux pas y aller, il faut d'abord que j'aille récupérer les faisceaux de lumière. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah ouais. Il y en a 4, c'est ça? Ah ouais. Ok, on a des trucs à faire, les gars. Alors en fait, là, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un petit feu de camp et je me fasse de la bouffe, non? Parce qu'avec la bouffe, je peux régénérer, non? Voir. Est-ce que ça je peux le manger peut-être? Ouais. Putain, ça donne pas grand chose. C'est pas ouf, hein. Est-ce que je ferais pas un petit feu de camp? Ici, tu vois. Parce que je pense qu'on va être amené à venir souvent ici. Je peux pas. Je peux pas construire ici. Faut que je construise à côté alors. Les bâtards. Pas construire ici. Ah non, c'est pas ça. Ouais, je peux pas ici, c'est... C'est sacré ici. Faut que j'ai le matos de pain. Après, ici ça fait chier, y'a rien autour. Comment je vais faire pour farm? Hop.
On va y mettre un petit bois. Non, je vais y mettre du bois. Non, je voulais en mettre qu'un. Merde. J'ai des champignons. Si je bouffe ça, est-ce que ça va bien me régénérer? Je peux pas l'éteindre du coup? Je suis dégue. Est-ce que si je bouffe ça... Ça, je peux le mettre dans mes... Ah ouais! Bonus de vie 25, résistance physique. Ah ça me donne plus 5, ça c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Faut que j'en fasse. Faut que j'en fasse, les gars. Il faut que j'en fasse, du coup, tac. Pas assez d'espace. Très bien. Faut que je les fasse un par un? Bah demain. Oh, quoi que ça va vite en vrai. On va faire une petite dizaine, je suis tranquille. Je me fais toutes les pommes comme ça, ça va vite. Et ensuite on part à l'aventure. Vraiment sympa pour l'instant. Donc là en fait le but c'est quoi? Il va falloir qu'on récupère les têtes de trucs. Et où il y a les faisceaux. Donc du coup je pense que ça va commencer à se corser un peu. Hein. Je suis en train de me tâter à poser mon établi et voir si je peux pas me faire des armes et du stuff avant de partir. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va peut-être farm un petit peu pour pouvoir s'équiper un peu parce que je suis quand même tout nu. Tristesse des arrois. Hein. Je suis quand même totalement tout nu quoi. Alors encore 4. Ce serait pas mal que je fasse déjà au moins les équipements que je peux faire, quoi. Je pense. Ou alors on se jette dans la gueule du loup, on va voir si on passe, mais bon... si ça passe, mais bon... J'aurais plutôt tendance à m'équiper avant d'y aller, tu vois ce que je veux dire? Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre... ici. Tac. Voilà. Bon, j'ai un petit peu d'équipement. Si je veux faire un établi, il faut que je mette un sol par contre. Hop. Je peux me faire une belle petite vue là, mais là il y a un passage. Fait chier. Attends, mais il n'y a pas de place. Hein. Et là-bas il y a un sanglifion là. Est-ce que je peux. Est-ce qu'il m'attaque? Je m'approche. Salut. Ok, ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'être hostile, ça, les gars. Plutôt bon signe. Hop. Je vois pas dans quel sens je suis, là. Va se faire un petit truc au bord de la mer, ça va être cool. Ça, il y a de quoi faire, en plus, ici. Hein. La vérité est de quoi faire. Hop. Tac. Pas déconnant. Hein. Bon, c'est pas très grand, mais. Oh merde. Est-ce que ça va suffire? Ouais, c'est bon. Ok. Je vais poser mon établi. Ah, il est là. Au bord comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi ce bruit chelou? Qu'est-ce qu'on peut faire comme stuff du coup? Une masse en pierre, gourdin primitif avec des pointes en pierre à une extrémité, une épée en pierre. Putain, ça a l'air pas déconnant ça. Fabrication est à portée n'importe quel pèlerin, lourde et peu tranchante, cette épée reste tout de même une meilleure alternative au combat à main nue. Il y a un arc aussi, hein. Un bâton rudimentaire qu'on... Tenant un peu de flamme et déclenchant un sort magique lorsqu'il est utilisé. Ok. Et un arc. Franchement, ça peut être pas déconnant l'arc, hein. Je me dis. Hein. Après, j'ai pas de flèche, c'est normal. Ça tire sans flèche. Ça tire peut-être sans flèche, hein. Genre, on se fait un arc. Et on se fait en plus un petit gourdin ou un petit gourdin en plus, tu vois.
Voilà. Comme ça, j'ai l'arc sur le 3, le gourdin sur le 4. Dès que ça s'approche... Usse KTBC. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En termes d'équipement, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la fibre, donc ça j'en ai. Du tissu. Où est-ce que je chope ça? Alors là... Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il a l'air de faire froid, non? Ça craint pour ma vie, ça? Ah, il me faut du tissu, hein. Mais comment je chope du tissu? Je suis en train de réfléchir, mais je me fais du mal, là, je te le dis. Je sais pas, c'est une petite mission, ça. Une petite mission à la con, ça. Du tissu. Oh, le bâtard! Pourquoi il m'attaque? Je l'esquive. Tiens! Oh, ça fait des... Oh, putain. What? Mais attends. Je fais des dégâts. Ah, genre il m'a touché là. Oh mais il me défonce. Ouah, mais c'était chaud. Qu'est-ce qu'on a du coup? La viande. Intéressant ça pour les potions je pense. Et l'autre est où? Mais on m'a défoncé les bâtards. C'est quoi ça? Petite pierre. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi c'est un petit coffre je pense. Où est-ce que je peux trouver du tissu, les gars? Est-ce que je peux construire un truc qui me fera faire du tissu? Caisse en bois, feu de camp, hache de pierre. Lit de paille. Un lit piquant et inconfortable où vous pouvez vous reposer. Ça peut être pas mal, ça. Parce que là, j'ai quoi? J'ai hypothermie. Ah! Ah, tu vois? Faut que je fasse un feu, là. Ah ouais. Attends, j'en ai un juste au-dessus, je vais le récupérer. En fait, je pense qu'il faut que quand il fait froid comme ça, la nuit, il faut que je rentre chez moi, en fait. Non, pas détruire. Je peux pas le récupérer. Ah, merde. Attends, j'ai assez pour faire un feu, là. Il faut des branches et des rondins de bois. Ok, d'accord. Il faut vraiment survivre comme ça. C'est vraiment cool. Ouais, je pense que je peux perdre de la vie, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas bon d'être en hypothermie, hein. C'est jamais très bon, les gars. Hop, on va faire 2-3 arbres. Allez, tape. En fait, c'est pour ça que mon énergie s'est vidée super vite quand j'ai tapé les sangliers, je pense. Alors, c'est deux solutions. Ou c'est la massue qui m'a vidé mon énergie. Ou en fait, c'est parce que j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Est-ce que si je mets un feu ici, ça craint ou pas? Ok, là ça s'en va. Il faut que je farm. En vrai, il faut que je farm. Et que je... Et que je me fasse une vraie petite maison. Et après, tu sais, tu te mets dans le lit et la nuit, tu dors, quoi. Un peu à la Icarus. Ceux qui ont regardé sur la deuxième chaîne Icarus, là. On va essayer de se faire un petit nid douillet. Prendre un peu du bois. Bon, celui-là, à mon avis, il est un peu trop big pour moi. C'est quoi ça? Avant de se diriger vers les montagnes, le futur maître de l'attaque de la mort qui tue se résolut à vaincre la stèle. Cette foutue stèle est sur la pierre, elle fait vraiment tâche. C'est insupportable, j'ai essayé de donner des coups dans l'eau pour qu'elle se répande et détruise la pierre, mais ça n'a pas marché. Je pense que je vais devoir construire un pont pour atteindre la stèle. Oh! Oh! C'est quoi ça? Des piments? Je prends tout parce que je vais faire un coffre où je vais stocker dedans. Bon, j'ai un petit peu, je devrais pouvoir faire quelques murs, je pense. Par contre, j'ai pas de TP à côté, je crois. C'est peut-être con d'avoir construit là en vrai. Hop. Mur de fortune. On va se faire une petite vue, moi je dis.
après, il y a quoi d'autre? Pas des murs de fortune haut? Quart de mur de fortune? Ah bah non, c'est des murs normaux en fait. Ouais. Ah merde, faut que j'en fasse deux du coup. On va mettre une petite fenêtre là. Apparemment pas. Hein. Il est pas très... Oh non, il est pas très gros ce truc. Il est... Merde! Vouloir aller trop vite. Ah d'accord, ils sont orange donc ils tiennent pas très bien je pense. La fondation est pas fou quoi. Y'a pas une porte? Escalier de fortune, porte. Putain mais elle est bien plus grosse la porte que ce bordel. Oh merde. J'ai plus, déjà plus de ressources? Parce que là je m'appelle un peu le cul là j'ai l'impression. Elle est trop petite ma maison, faudra vite que je fasse un truc un peu plus sympa. Faut que j'aille farm. Faut du bois. Pas des endroits blindés de bois là. Ça déjà, j'en avais activé un tout à l'heure, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui. Ah. Ça donne la capacité d'utiliser l'énergie de combat. Attaquer des ennemis pour remplir votre réserve d'énergie maintenant pour effectuer une attaque puissante. Ok. J'ai d'autres points. Ah oui, j'ai deux points encore. Ça c'est quoi? Ajoute de l'endurance, pas mal. Ajoute de la vie, pas mal. Augmente votre vitesse d'accumulation d'énergie. Est-ce qu'on mettrait pas de l'endurance pour pouvoir mieux taper, mieux esquiver et tout? On se fera prendre les trois de toute façon. Ça débloque quoi ça? Les attaques avec un arc consomment beaucoup moins d'endurance. Putain, ça coûte 3 par contre. Moi j'aime bien l'arc. Ça c'est quoi? Augmente la capacité de charge maximale. Chaque fois que vous foncez, votre énergie de combat augmente. Oh. Augmente votre vitesse d'accumulation d'énergie de combat. Réduit l'effet de tremblement des mains lorsque vous visez avec un arc. Chaque fois que vous obtenez de la flamme, après avoir tué un ennemi, votre énergie de combat augmente. Les attaques au bâton consomment beaucoup moins d'endurance. Ok. C'est bien, je suis à côté d'un truc pour up, ça c'est cool par contre. Petite pierre. La pierre n'est pas là. Hop. Deux orbes là, je vais les prendre. Hmm. J'aurais bien trouvé comment faire du tissu pour m'habiller en fait. Hop, hop, voilà. Bon, je devrais pouvoir faire un peu plus. C'est pas, la foule d'arbres ici. Hein. Je vais récupérer le meilleur endroit, je crois. Après, il y en a là-haut, par contre. Après, peut-être qu'il ripop. Hein. Ouais, il y en a un là aussi. Je sais pas. Alors. Une petite portounette. Peut-être la mettre dans un angle. Elle est pas trop dans le bon sens, mais on s'en fout. Ok. On améliorera plus tard. Hein. Essaye de le mettre droit cette fois parce que... Oh, pardon. Quoi? Non, ça l'a pas mis comme il faut, là. Ah, il y a un problème, là. Qu'est-ce qui va pas, là? Pas, hein. En vrai ou pas, hein. ça se jonche, peut-être normal. Putain déjà ? La vache ! Vous savez quoi les amis ? On va arrêter la vidéo ici, j'espère que cette petite découverte vous a plu. On va faire un petit let's play dessus, il y aura clairement d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas abonné,
abonnez-vous pour avoir la suite. Parce que dans la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre petite zombie, histoire de pouvoir se réchauffer et avoir un petit pied à terre. Et dès qu'on a fait ça, on va aller voir pour récupérer un petit point, parce qu'il y en a quand même 3 à récupérer. Mais là, ce qu'il faut, c'est arriver à se faire une petite zombie. C'est quoi ça? Oh, quand tu casses un truc, les branches, elles retombent, ok. On va essayer de voir pour se faire une petite zombie un peu sympa. Un petit peu... C'est quoi, accès? Pas du tout. Un petit peu sympa. Et prochaine vidéo, du coup, on finit la maison. Et ensuite, on va aller au point le plus proche. Hein, on verra lequel c'est. Ça a l'air d'être des énigmes assez foufou. Merci à tous d'avoir suivi cette petite découverte. On se retrouve très très vite. Abonnez-vous. À très bientôt. Ciao, ciao.